Le Magical Girl ne date pas d'hier. Destiné originellement à une audience de petites filles, le genre a, depuis une grosse décennie, amorcé un virage vers un public plus masculin et niché. Pourtant, les premières séries des années 60 ne les destinaient pas à ce changement. Le premier manga du genre, Imitsu no Hako-chan ou Caroline chez nous, est signé Fujio Akatsuka, plus connu pour Osomatsu-kun. On y retrouve déjà les archétypes fondateurs du genre. Une petite fille, une mascotte kawaii, un artefact pour se transformer, des pouvoirs magiques et l'obligation de les cacher comme une identité secrète. Le genre se popularise en 1966 grâce à Minifée, adaptation animée du manga Maotsukai Sally, où Mitsuteru Yokoyama nous fait vivre les aventures d'une sorcière loin de chez elle. Sous cet angle, la Magical Girl s'apparente à une super-héroïne qui doit jongler entre son quotidien et ses aventures costumées. Ses récits très simples peuvent être dits d'apprentissage, métaphore du passage à l'âge adulte, les pouvoirs finissent bien souvent par disparaître en grandissant. Un système qui marche encore aujourd'hui, mais qui s'est enrichi avec le temps. Si les Magical Girls conventionnelles s'enchaînent tout au long des années 70 à 80, Naoko Takeuchi va révolutionner le genre avec Sailor Moon, œuvre majeure qui donne naissance au Magical Sentai. Épousant les codes du tokusatsu, le Magical Sentai voit un groupe de jeunes filles affronter des hordes d'adversaires. Ce répertoire fait autant parler les sorts que les sentiments. Les pouvoirs y sont le reflet des émotions des personnages qui oscillent entre indécision sentimentale et sexuelle. La magie reste néanmoins ancrée dans un imaginaire merveilleux. Le vrai changement s'opère avec Precure, gigantesque saga faisant suite à Magical Doremi. Fini gris-gris et bâton magique, les magiciennes distribuent des pains, une recette ajoutant un peu de saveur dans un genre moribond à la fin des années 90. La mutation du genre se confirmera dans les années 2000 avec Mao Shoujo Lyrical Nanoa. Cette série intègre la Magical Girl à un groupe plus large dans un univers où la magie est courante. Elle devient alors une arme vivante dans une force d'assaut standardisée. La bac en jupette, c'est le Magical Guntai. En 2011 arrive Mao Shoujo Madoka Magica et sa pelletée de violences physiques et psychologiques. L'épisode 3 aura réussi à traumatiser toute une génération de par son caractère inattendu. Ce titre particulièrement cru résulte d'une évolution plus récente du genre qui n'a pas vraiment de nom mais qu'on pourrait qualifier de Dark Magical Girl. Transformer le choupi en creepy, c'était tentant et Nanoa avait brièvement allumé la mèche. Madoka finira le job en beauté. Ces deux derniers concepts se retrouvent mélangés dans le tout récent Magical Girl Spec Ops Asuka, où l'héroïne a fait la guerre, en est revenue traumatisée et a du mal à reprendre sa vie d'avant. C'est cru, brutal et choquant, comme beaucoup de ces nouveaux titres reprenant la Magical Girl au gré des tendances du moment. De Witch à Winx Club, au récent succès franco-coréen Miraculous Ladybug, la figure de la Magical Girl a dépassé les frontières du Japon depuis longtemps. Preuve que ses codes et thématiques sont universels. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop and Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de bulles et de pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.